Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Évidemment, je ne vous le demande plus. Nous allons débuter cette deuxième leçon avec Cécile sur les toxidermies. Donc les toxidermies regroupent en fait les effets indésirables, les effets secondaires cutanés des médicaments. Il faut savoir que certains médicaments peuvent induire ce genre de réaction chez environ 1 à 3% des patients. Ça regroupe donc toutes les toxidermies, les bénignes comme les malignes. Globalement, il faut savoir que 90% des toxidermies sont bénignes, heureusement, mais une petite partie sont relativement graves et il faut les connaître. Alors c'est suffisamment rare pour ne pas nécessairement être connu lors de la délivrance de l'AMM. C'est-à-dire que malheureusement, il faut être vigilant avec tous les médicaments, bien qu'ils aient quelques mois d'ancienneté ou quelques années d'ancienneté sur le marché. La plupart ont une réaction qui est indépendante de la dose, donc dit idiosyncrasique. Parfois, ils peuvent être dépendants de la dose délivrée, par exemple les antimitotiques qui donnent des alopécies pour la plupart. Donc, pour rappel, sémiologique, pardon, la papule, c'est en relief, je vous ai mis un grand P, et macule, un petit M, puisqu'en fait, il n'y a pas de relief. Quant au petit N rouge du visage, c'est pour les nanthèmes, qui touchent uniquement la cavité buccale et donc les muqueuses, et l'exanthème avec un X, c'est pour une éruption qui est diffuse. On verra quatre formes graves qu'il faudra connaître, c'est celle-là qu'il faudra dépister dans le cadre de l'urgence. C'est l'anaphylaxie, la pustulose exanthématique aiguë généralisée, la nécrolyse épidermique toxique et enfin le DREST. Alors on est parti pour la première forme bénigne qui apparaît en quelques minutes à quelques heures, c'est l'urticaire aiguë, souvent avec une sensibilisation préalable, sachant que la localisation peut se faire aussi avec une zone exposée si c'est un allergène qui peut être mis en contact avec la peau. Donc c'est un érythème qui est papuleux, qui est migrant, donc papuleux, on peut le sentir, qui est migrant, il va bouger assez rapidement, on dit qu'il est fugace, et ça concerne environ donc moins de 10%. Moins de 10% des urticaires ont une cause médicamenteuse. C'est pas si commun hein, qu'un médicament donne de l'urticaire. Souvent, ça peut être autre chose. À savoir et à retenir qu'au 7e jour, associé à de l'arthralgie, à une arthralgie, il faut penser à la maladie sérique, hein, qui est une entité un petit peu particulière. Voilà, donc globalement, c'est une réaction qui est IgE dépendante. La deuxième forme bénigne, c'est l'érythème pigmenté fixe. Comme son nom l'indique, c'est un érythème qui sera pigmenté une fois qu'il aura cessé, une fois qu'il aura disparu, et qui est fixe puisqu'en fait, il apparaît toujours au même endroit. Donc, il apparaît au bout de quelques heures, sachant que la première exposition peut être assez ancienne. Il peut apparaître partout, hein, même au niveau des muqueuses, il peut être bulleux ou non. Globalement, il est décrit comme étant rond. Souvent au même endroit, il disparaît en moins d'une semaine avec une trace brune. Et il faut savoir que c'est uniquement les médicaments. Il n'y a que les médicaments qui peuvent donner ça. Voilà, donc les symptômes brûlure et prurite. Une autre forme bénigne, donc l'exanthème maculopapuleux. Comme son nom l'indique, c'est un exanthème qui est maculeux et qui est papuleux. Ça va être difficile à retenir. Le plus difficile, ça va être encore de dire que c'est l'éruption du 9e jour. C'est pour ça que j'ai mis 9 partout. Que la localisation concerne principalement le tronc, puis devient symétrique. Il peut y avoir une fébricule, un peu de prurite, une petite éosinophilie au bilan biologique et le diagnostic différentiel sera une infection virale. Donc regardons les vaccins, savoir s'ils sont à jour. On débute avec les premières formes graves. La première forme grave, c'est l'anaphylaxie qui survient relativement rapidement. Le mécanisme, entre guillemets, c'est une continuité physiopathologique de l'urticaire, même si on fait une différence entre l'anaphylaxie et l'urticaire. Et c'est une activation directe des mastocytes. Donc la gravité, en fait, va être respiratoire et cardiovasculaire. Donc ce sera la tension, la gêne respiratoire, toujours checker l'aluette, voir s'il n'y a pas une obstruction des voies aériennes supérieures, et le traitement, l'adrénaline 0,3 mg,
Il y a un topo que je fais, je vous conseille de vous y référer. La deuxième forme qui apparaît un petit peu après, ça s'appelle la pustulose exanthématique aiguë généralisée. Donc comme son nom l'indique, c'est une pustulose avec une éruption cutanée qui est diffuse de tout le corps, exanthématique, qui est aiguë entre 1 et 4 jours et généralisée, hein, je vous l'ai dit, de tout le corps. Alors pourquoi j'ai mis une feuille? Parce qu'en fait c'est une page pour le retenir. Il y a 4 bords, 4 plis, puisqu'en fait la localisation touche principalement les grands plis, donc j'ai mis 4 plis comme 1 à 4 jours en termes de délai. Il y a une altération générale avec fébricule, fièvre même. Pour pas oublier qu'on peut retrouver des polynucléaires neutrophiles au bilan biologique ainsi qu'à la biopsie, j'ai mis le plan et PNN sur la feuille. L'évolution, ça évolue avec une desquamation. Et pour le différentiel, on pensera au psoriasis pustuleux. Alors le psoriasis pustuleux est en général moins flagrant, c'est moins violent. Par contre, ça dure un petit peu plus longtemps, on retrouvera en général un antécédent de psoriasis. Maintenant, une autre forme grave, la nécrolyse épidermique toxique. Donc là, c'est une forme qui se présente en général au bout du 10e jour. Pour le retenir net à l'envers, ça fait TEN en anglais. La localisation globalement, c'est partout. Le fameux signe de Nikolsky avec un tableau assez bruyant, fièvre, brûlure oculaire et pharyngite initialement, qui doivent alerter. Puis après, il y a un décollement cutané qui est dit en linge mouillé. Sachant que la différence entre le Steven Johnson et le Lyell, c'est juste le pourcentage de peau atteint. Donc c'est quelque chose qui est grave, c'est une urgence vitale. Il y a 30% de décès à la phase aiguë. Pour les médicaments incriminés, on va voir ça sur la prochaine diapositive. Un moyen de le retenir, allolymphe, Neville tremble, il ne peut plus souffler. Donc pour l'allopurinol, les INS, les névirapines, les antiépileptiques, donc pour tremble, IPP, il ne peut plus et souffle pour sulfamide, pour les anti-infectieux. Enfin, la dernière forme grave de toxidermie, sans doute la pire, le DRESS, donc c'est veut dire Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Quel accent anglais! Donc, ça survient au bout de entre 2 et 6 semaines, et entre 2 et 6 semaines, ça fait 4 semaines, et 4 semaines, ça fait 31 jours. Ça tombe bien, 31 jours, et ben en anglais, DRESS, ça veut dire robe, et quand on se met sur son 31, c'est relativement rare. En 2020, on peut dire que ça nous monte à la tête. C'est pour retenir que ça donne un œdème du visage avec une atteinte viscérale, des adénopathies, une fièvre et au bilan biologique une hyper-éosinophilie, puisque sinon ça ne serait pas le diagnostic. Il peut y avoir une lymphocytose aussi. Et voilà le DRESS pour que vous le reteniez. Donc, en bref, les formes bénignes, il y en a 3, urticaire, érythème pigmenté fixe, exanthème, maculopapuleux, pour le retenir, ursule fixe, son ex. Et les formes graves, pour l'anaphylaxie, PAEG net et DRESS, donc la page est nette comme sa DRESS. Donc DRESS hein, pour en anglais, vous me pardonnerez, mais c'est pas mal pour retenir. Donc voilà. La vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé tous ces petits conseils pour les toxidermies, qui en tout cas pour moi était un chapitre compliqué. Si vous avez aimé, abonnez-vous, pensez à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos avec plein d'astuces, lâchez un pouce bleu de cyanosé que vous ne manquerez pas d'oxygéner, prenez soin de vous, de vos patients bien sûr.